subir un choc d'une violence inouïe. Tous ses repères ont disparu. Pour lui, rien ne sera jamais plus comme avant. Trop rapide, trop réel. Cet homme n'était pas encore prêt. Flashback sur Mega Drive. C'est plus fort que... Bonjour à tous mes chers amis, ladies and gentlemen, rétro gamers, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche pour vous parler d'un jeu sorti en 1992, d'abord sur un ordinateur personnel, l'Amiga, jeu développé par Delphin Software et les équipes de Paul Cuisset. Il est le petit frère d'Another World, sorti un an avant, développé par Eric Chahi. Vous commencez à savoir de quoi on va parler. Le jeu est adapté ensuite en 1993 sur Sega Mega Drive, toujours Delphin Software avec US Gold. Eh bien, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de Flashback, Quest for Identity, sur la version Mega Drive, même si je l'avais découvert initialement sur Amiga, moi aussi. Je l'ai refait cette semaine. Quel plaisir de revenir régulièrement parcourir ce jeu. Mais avant cela, vous avez l'habitude, parlons de cette année 1993 en l'occurrence, j'ai choisi la date de sortie Mega Drive. Au cinéma, grand nombre de films de qualité vont sortir. Alors, je vais en citer que quelques-uns, hein. Comme toujours, on aura bien sûr Un Monde Parfait avec Kevin Costner qui joue pour la première fois un bad boy au cinéma. On va trouver Cliffhanger, Demolition Man avec l'ami Stallone. On va bien évidemment avoir également Last Action Hero, La Firme avec Tom Cruise. En France, Germinal, Sliver, Chute Libre également avec Michael Douglas. Mais j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, de parler d'un film qui là aussi a fait date. Deux acteurs de très haute volée, parmi les meilleurs des meilleurs. Tom Hanks, Denzel Washington. Musique du film, le morceau sorti dans les charts, Philadelphia. Le boss, Bruce Springsteen, et ben voilà, bien sûr, aujourd'hui, on parle de Philadelphia, un de ses premiers films à traiter de manière extrêmement forte la question de la maladie du sida et de la place des personnes qui étaient atteintes de cette maladie dans la société. Je vous en propose, bien évidemment, un court extrait. Ça va? Qu'est-ce que vous avez à la figure? J'ai le sida. Je n'ai pas élevé mes enfants pour qu'ils soient des citoyens de seconde zone. Mais 1993, c'est aussi bien sûr une année où les charts en France voient les stars caracoler en tête, avec Whitney Houston en première place avec son fameux I Will Always Love You. Mais j'ai choisi aujourd'hui de parler de Ace of Base, ce groupe suédois qui a éclaté dans le monde entier avec son désormais célèbre All That She Wants. Extrait. Et bien voilà mes chers amis, ladies and gentlemen, rétro gamers, le décor 1993 est planté. Tous les possesseurs de Sega Mega Drive ont le plaisir d'accueillir Flashback sur leur console bien aimée. Et bien je vous propose tout de suite de partir dans ce test pour voir ce que donne cette adaptation pas dans main. Et vous avez l'habitude, c'est tout de suite après le générique. Eh bien, je vous propose, mes chers amis, ladies and gentlemen, rétro gamers, de commencer par le game design de ce Flashback sur Mega Drive, et même peut-être avant cela, de parler du scénario de ce jeu qui est extrêmement étoffé. Vous voyez derrière moi l'introduction défilée. Tout démarre avec une évasion. Notre héros, dont on ignore encore le nom, s'échappe, court, trouve une moto volante, il l'enfourche, il part dans les airs, il est poursuivi par des assaillants, qui vont lui tirer dessus, finalement faire mouche,
La moto est touchée, elle descend, elle va s'abîmer dans la jungle, et c'est là que commence notre aventure. De cette introduction en trois dimensions, on passe à un jeu, un platformer, un jeu d'aventure action en 2D, et je mettrai plutôt le mot aventure en premier lieu. On va trouver très rapidement, quasi immédiatement, un holocube. Comprenez par là un bloc électronique qui va projeter un hologramme. Et là, tenez-vous bien, l'hologramme qui vous parle, c'est vous. Vous avez enregistré quelques semaines, quelques mois plus tôt, un message à votre intention. Au cas où il vous arriverait malheur, manifestement, ça a été le cas. Alors, on voit tout de suite que le jeu emprunte, bien sûr, à l'univers du cinéma extrêmement de référence, puisqu'on est là tout de suite dans l'analogie avec Total Recall, le film de Paul Verhoeven, qui est sorti 2 ans avant avec Arnold Schwarzenegger. On a un vrai copier-coller de la situation, mais on verra au fil de l'aventure et de cette histoire que nous compte Flashback que les références seront nombreuses. On en reparlera, mais on aura des analogies avec Blade Runner, avec Running Man, bien sûr, sur l'un des niveaux du jeu. Donc, vous avez perdu la mémoire, elle vous a été effacée, et votre avatar, enfin vous-même dans le passé, êtes là pour vous donner les premières indications qui vont vous permettre de démarrer votre aventure, de dénouer les fils du mystère, de rassembler les pièces du puzzle pour à terme déjouer un complot interplanétaire, rien de moins que cela. Donc, vous l'avez compris, quand on joue à Flashback, on met les pieds dans un lore, un univers assez riche, assez varié. Alors en termes de game design, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on va faire? On est face à un jeu d'aventure action, je le disais tout à l'heure, plateforme. On va avoir des écrans fixes avec des situations proposées à la manière d'un Otherworld, d'un Prince of Persia. Sauf que là, on a un personnage qui a un panel de mouvements, une variété d'actions extrêmement complète et complexe, puisque vous allez pouvoir, à la croix multidirectionnelle, donner des injonctions très différentes. Conrad peut marcher, il peut s'accroupir, il peut rouler bouler, il peut sortir son revolver, le rentrer, tirer, courir, sauter, se suspendre à une plateforme, rester suspendu, choisir de remonter, lâcher prise et descendre. Donc on va devoir, dès le premier niveau, apprendre un petit peu à manier Conrad pour pouvoir mélanger toutes ces actions et profiter de la richesse de gameplay que nous offre le jeu. Donc on va traverser 5 environnements extrêmement différents. On commence sur la jungle, on va se retrouver dans un environnement extrêmement urbain sur le deuxième niveau. Et là, on va devoir assumer des missions, on va devoir travailler. D'ailleurs, on va devoir d'abord aller chercher un permis, obtenir un permis de travail. On va devoir remplir des missions pour gagner de l'argent. Argent qui va nous permettre de participer à un jeu télévisé. Là, on pense tout de suite à Running Man, dont l'enjeu, la récompense ultime, est un billet pour voyager jusqu'à la planète Terre, quatrième environnement, et enfin, on finira sur la planète extraterrestre, mais j'en dis déjà beaucoup pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu. Donc, on va en voir, en tout cas, un gameplay assez varié, assez riche, d'autant plus qu'au fil de l'aventure, on va découvrir différents objets, de nouveaux objets avec des particularités très fortes qui vont là encore renouveler, enrichir le gameplay de ce flashback. Donc vous allez diriger Conrad à la croix multidirectionnelle. La touche A est une touche d'action contextuelle, elle permet de sauter, elle permet de rester suspendu à une plateforme. La touche B permet d'utiliser un objet qu'on aura au préalablement choisi dans notre inventaire en appuyant sur Start. Et la touche C est dédiée à l'usage du revolver. Donc pour synthétiser, ce flashback nous offre un jeu aventure, action, plateforme. On va devoir se déplacer d'écran en écran. On en parle dans les graphismes dans un instant, mais une des particularités aussi de ce flashback, c'est d'avoir des écrans fixes. On n'a pas un jeu ici à scrolling. Ce qui nous explique bien, ce qui veut bien traduire l'idée que on va pas devoir courir la tête la première dans le premier piège qui s'offre à nous. Croyez-moi, vous allez mourir souvent aussi de cette manière-là dans Flashback, parce que vous allez rencontrer bien sûr des adversaires, vous allez rencontrer des ennemis polymorphes, vous allez rencontrer des faisceaux laser qui vous transperceront immédiatement. Si vous tombez de trop haut, vous mourrez. Donc on est face à un héros particulièrement humain dont le scénario nous fait nous sentir extrêmement proche. Donc voilà, on a un game design
qui engage à la prudence, à la réflexion aussi, on a quand même des phases d'action. Et quand on aura appris vraiment à bien manier Conrad, il y a un plaisir manette en main qui est extrêmement fort et jouissif sur ce flashback. Je vous propose tout de suite que nous parlions de la partie graphisme et animation. Au niveau graphisme et animation, on a là beaucoup de choses à dire. Alors, au niveau graphique, tout d'abord, on a quelque chose d'extrêmement soigné. On a ces scènes cinématiques en trois dimensions qui sont du plus bel effet sur Mega Drive. J'ai tendance à les trouver un tout petit peu plus lentes que la version Amiga, mais c'est peut-être mon souvenir qui me fait défaut. Il faudra que je relance sur Amiga Mini ce flashback pour me rappeler mes souvenirs premiers. Mais je l'avais fini sur Mega Drive hein, quand même. C'est un de mes amis, Nicolas, si tu regardes cette vidéo, qui l'avait eu et qui me l'avait gentiment prêté, donc je l'avais terminé aussi sur la console à l'époque. Mais voilà, ces scènes en trois dimensions sont vraiment très réussies et c'est toujours une jolie prouesse sur la Mega Drive. Sur nos écrans fixes, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de scrolling dans ce flashback, on a des écrans fixes juxtaposés, on passe de l'un à l'autre avec un temps très très court, hein, une demi-seconde peut-être, mais ça va nous amener parfois à aller voir sur l'écran suivant ce qui se passe, quel est le danger, le piège qui nous attend, un ennemi, un champ laser mortel, voilà les situations qui nous seront offertes. Et donc on a 5 niveaux avec des environnements extrêmement riches, extrêmement variés, une charte graphique pour chacun d'entre eux, donc on n'a pas l'impression de passer par les mêmes environnements à chaque fois, on a des fonds, des arrière-plans quand même assez détaillés, le niveau de la jungle avec des tons assez pastels, vraiment très agréables, le niveau de la ville, beaucoup plus sale, avec vraiment ce côté futuriste quand même assez marqué, le métro, qui est plutôt bien géré, je trouve, dans le jeu. L'univers alien, à la fin du titre, lui aussi est très très réussi, avec des couleurs violacées du plus bel effet. Donc, on a vraiment graphiquement quelque chose de très très réussi. Le sprite de Conrad aussi. Mais on doit toucher là tout de suite à l'animation, puisque on va retrouver la même chose que dans Prince of Persia, que dans Another World. Another World surtout, avec des curseurs poussés encore un petit peu plus loin. Alors je ne sais pas si la technologie utilisée est encore la rotoscopie, hein, je ne l'ai pas vérifié. Je pense que c'est le cas, vous me corrigerez si je vous disais une bêtise. Quoi qu'il en soit, le résultat est bien là, on a des frames d'animation extrêmement nombreuses et variées, et donc on a une animation encore aujourd'hui à l'œil qui est extrêmement réussie, très agréable, une très belle décomposition des mouvements, et donc voir Conrad enchaîner les situations, avancer prudemment, à pas chasser avec son revolver, se baisser, faire une roulade, hop, s'agenouiller, tirer, tout ça est très réussi. Et une fois qu'on maîtrise le personnage, parce que il va falloir passer par cette phase d'apprentissage, qu'on a bien compris comment décomposer nos mouvements, utiliser des éléments de gameplay, puisque vous allez très vite avoir un bouclier à utiliser. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que gameplay, le game design, les graphismes, l'animation, tout ça est extrêmement lié et interdépendant dans ce jeu, je trouve. Conrad n'a pas de jauge de vie. Il prend un coup et il est mort. D'ailleurs, si vous tombez de trop, vous mourrez aussi. Par contre, il a un bouclier qui est alimenté par une pile, pile qu'il va vous falloir recharger de temps en temps. Et à chaque fois que vous avez une action contextuelle comme celle-là, vous repassez sur une petite phase en trois dimensions. Donc on a vraiment visuellement quelque chose de très accrocheur à l'œil et de très réussi. Mais cette animation, vraiment, vient servir le jeu de manière extrêmement forte. Je pense aussi à ses ennemis polymorphes. Voilà, vous avez des mutants que vous allez rencontrer par la suite, qui ont la capacité de changer, de muter d'apparence. Et l'effet de morphing est vraiment extrêmement réussi, là aussi. Je vous le mets en capture juste derrière moi. Donc on a à la fois au niveau des graphismes, à la fois au niveau de l'animation, deux très gros points forts de ce titre sur Mega Drive. Je vous propose tout de suite de parler de la partie musique et bruitage. Alors, en termes de musique, si vous ne connaissez pas Flashback, vous serez peut-être un peu surpris, mais ça va être très vite fait, parce que de la musique dans le jeu, eh bien, il n'y en a quasiment pas. Vous traversez l'aventure avec des bruits plutôt d'ambiance. Dans la jungle, vous entendez un petit peu les oiseaux, vous entendez un arrière-plan vraiment cristallin, mais vous n'avez pas de musique à proprement parler.
Vous avez quelques petits morceaux qui viennent souligner des phases, soit d'action, soit pour faire monter la pression, soit pour souligner une transition, je pense, aux scènes cinématiques. Mais voilà, globalement, dans le jeu, il n'y a pas de musique. Alors par contre, ça vient renforcer, ça n'est pas réellement un défaut à mes yeux, parce que je vous l'ai dit, on est face à un jeu extrêmement cinématographique, et tout ça vient accentuer un petit peu la lourdeur de la situation, nous faire prendre d'empathie pour notre héros, Conrad, et finalement créer entre lui et nous une connexion encore plus forte. Au niveau des bruitages, eh bien, ils sont à mon sens très réussis. Je pense au son de notre revolver, vous l'entendrez quand même assez souvent, il est très réussi. Voilà, mais les bruitages vraiment sont bien réalisés dans le jeu. Donc au niveau sonore, on n'a pas franchement de regrets à avoir ou de points négatifs à noter ici. Oui, la musique, bah, elle est peu présente. Par contre, quand elle est là, elle est réussie. Et encore une fois, ça vient nourrir l'atmosphère du jeu. Et quant au bruitage, ils sont vraiment de bonne facture sur le support. Voilà, on est vraiment dans la très bonne moyenne de ceux que la Mega Drive peut proposer. Je vous propose tout de suite de parler de la durée de vie du jeu. Alors, en termes de difficulté, ce jeu devrait permettre normalement à chacun d'entre vous d'en voir la fin, puisqu'on a une difficulté quand même assez progressive selon les niveaux. Alors, on peut mentionner que le jeu ne permet pas de sauvegarder. Alors, il permet, pendant que vous êtes en partie, vous allez trouver une à deux fois dans chaque stage une borne de sauvegarde. Vous vous en approcherez et vous sauvegarderez votre partie. Par contre, si vous éteignez la console et que vous redémarrez, la sauvegarde est perdue. Voilà. Pour autant, à chaque début de niveau, vous aurez un mot de passe qui vous sera donné et qui vous permettra, bah, si vous reprenez une partie en cours, de démarrer en tout cas au début du niveau où vous vous étiez arrêté. Donc trois niveaux de difficulté, easy, normal et hard. Je l'avais fini à l'époque en normal, là je l'ai reparcouru en easy parce que je voulais plutôt profiter de la narration et traverser le jeu assez vite. Mais je pense que je vais le refaire là en normal ou en hard. C'est un jeu dont j'ai le sentiment qu'on peut y revenir très facilement. Et pourtant, on a une aventure qui est très linéaire. Il n'y a pas plusieurs fins possibles. Je vous en parle dans une semaine, mais je viens de finir Detroit Become Human sur PS5. Le jeu a 85 fins différentes, alors plus ou moins importantes par rapport au scénario, mais là, on a un jeu très linéaire avec ce flashback. On aurait pu avoir peut-être deux ou trois fins différentes. Ça aurait pu être un choix de fait par les scénaristes, parce que le jeu s'y prêtait bien. Mais non, on a une histoire vraiment très linéaire. Mais pour autant, j'ai lu ça sur un test du jeu et je partageais, c'est une réflexion que je m'étais faite en juin, on a l'impression de revoir un bon film. Voilà, donc le jeu n'est pas si long à finir que cela. J'ai pas regardé combien de temps j'avais mis, mais c'est quelques heures hein, vraiment pour finir le jeu, pour le traverser. Donc vraiment, on a un niveau de difficulté qui est adapté à chacun déjà d'une part, et qui sera même adapté à votre envie du moment. Voilà, même si vous avez un skill élevé, si vous avez envie de le reparcourir un peu vite pour voilà, reprofiter du scénario, de l'ambiance, ben on peut retraverser le jeu très facilement. Donc je ne peux que conseiller à tous ceux qui ne l'ont pas fait d'y aller, vous ne serez pas rebutés par la difficulté. Je vous propose tout de suite un petit gameplay, on fait les premières minutes de jeu ensemble. A tout de suite. Allez, nous voilà partis les amis, pour ce petit gameplay sur Flashback, on va faire le tout début. Hein. Je laisse le démarrage de l'introduction. Bon, c'est intéressant parce qu'on est vraiment tout de suite mis dans l'ambiance avec cette scène cinématique qui démarre. Conrad prend sa moto, c'est du plus bel effet, ça nous fait penser bien sûr à l'introduction d'Another World, une des plus longues introductions à l'époque du jeu vidéo. Alors, je vais appuyer sur Start. Un bel effet graphique là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous voyez, un effet de distorsion du plus bel effet. Alors, on va faire un tour du côté des options. Donc, le jeu est bien sûr multilingue. On va se mettre en easy. Allez, c'est parti. Les fameuses scénettes toujours introductrices.
Voilà, Conrad se réveille, on voit qu'il fait tomber un cube. Donc on a un code hein, qui apparaît, pixel. Voilà, donc gauche-droite, je peux me baisser, hop, faire une roulade, et je meurs. Allez, je relance, j'appuie sur Start. C'était pour vous montrer. Donc, on aperçoit le fameux code. Hop. Donc, gauche-droite. Je mets vers le haut, je saute. Je peux me baisser. Je vous disais A, touche contextuelle. Donc, il va permettre différentes actions. Si je laisse mon doigt appuyé sur A, que je mets vers le haut, je fais un saut. Je laisse appuyé sur A, gauche-droite, je cours. Et donc C, je sors mon revolver, A pour tirer. Alors ça aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on tire, on a un effet de lumière sur le sprite de Conrad, voilà, qui est du plus bel effet. Si je sors mon arme, vous voyez, je peux avancer là aussi avec prudence. Pour descendre, j'appuie sur A, je descends, je laisse appuyer. Vous voyez, je reste suspendu. Et là, je ramasse mon holocube. Voilà. Et le fait que ça a intercepté le rayon voilà, des pods juste en bas nous permettait à peu près de savoir où se situait l'holocube qui était tombé. Je le sélectionne dans l'inventaire. Vous voyez qu'en haut à droite, ma pastille a changé. Alors dans mon inventaire, j'ai quoi? J'ai mon fameux bouclier avec 4 niveaux de protection. J'ai mon revolver et je n'ai pour l'instant aucun crédit de disponible. Donc je garde mon holocube, j'appuie sur B et ça lance la séquence dont nous parlions en introduction sur la partie game design. Et mais c'est moi. Voilà, et donc là on a une explication du scénario. On va appuyer sur Start. Et je fais n'importe quoi, tac tac tac. Donc vous voyez graphiquement, on a quelque chose quand même d'assez réussi. On pourrait, si on chipote un peu, dire que ça manque un peu de mouvement dans les arrière-plans. Voilà, quelques animations de plus qui donneraient un peu plus de vie à l'ensemble n'auraient pas été désagréables. Donc là, regardez, si je prends mon élan, hop, et que je tourne dans ma course. Et que je saute pas, voilà ce qui se passe. Si je laisse appuyer, il court hein, toujours. Hop, je mets vers le haut, voilà. Voyez, pas de musique dans le jeu, mais là on a un ennemi, le premier ennemi qu'on rencontre. Donc on a un peu de musique quand même qui se met en place. J'aurais pu aller chercher une pierre. Il y en a peut-être une en haut. Mais bon, normalement, c'est pas utile. Parce que je peux aller chercher une pierre, la lancer derrière l'ennemi qui va se retourner pour gagner un petit peu de temps. Alors, comme on ne sait pas trop, c'est le saut de la foi, je descends, je garde A appuyé pour rester maintenu. Voilà, ça permet de voir qu'il y a bien du sol juste en dessous. Donc là aussi, je peux. Si je saute à droite, je vais ouvrir la porte. Je peux lancer une pierre éventuellement. Il y a plusieurs façons hein, d'appréhender certaines situations. Mais je vais y aller directement ici. Voilà, quand j'ai un adversaire. Là, on voit bien le reflet sur Conrad, hein, l'effet de lumière hein, quand je tire, le bruitage hein, en l'occurrence, qui est vraiment bien réussi, je trouve. Et je trouve une pile. Et ça, c'est pas mal aussi, hein, quand je suis au bord d'une plateforme, il y a un petit mouvement de. Alors là, j'y étais un peu cabourg. Hop. Là, si je me laisse tomber de 2 étages, je meurs. Je ne sais plus si c'est directement à gauche ou sur la droite. Parce que là, je pense que voilà, le compartiment à pile, mais ma pile est vide.
Même si je la sélectionne pile 0. Voilà. Donc c'est un jeu assez calme hein, finalement aussi. Vous voyez là, on a un faisceau laser, je ne vais pas me projeter dedans. Parce qu'on l'a dit, je recommencerai du début, hein, sinon. Voilà, là on a des lasers au sol, la première fois on les voit pas forcément. Hop, je m'approche encore. Hop. Voilà, et là je vais pouvoir charger ma pile. Donc je la sélectionne, j'appuie sur B. Ouais, ces séquences sont vraiment sympas, ça donne du liant au jeu, c'est vraiment très plaisant. Ma pile est chargée. Pardon. Je vais quand même poursuivre un petit peu par ici, parce qu'on va pas faire trop long non plus. Je sors mon pistolet. Hop. Vous voyez, ça c'est les enchaînements quand même plutôt cool. Je sors le pistolet, je m'accroupis, je roule, j'arrive, je tire. Voilà, on a dans le gameplay quelques mini-énigmes. Bon, ce n'est pas vraiment une, hein, c'est un style de petit puzzle finalement. Voilà, il faut passer sur les pods dans un certain ordre. Hop. Au secours. Voilà, et là on croise un personnage. Aidez-moi jeune homme, j'ai été attaqué par des mutants et je ne peux plus marcher. Retrouvez mon téléporteur, il me faut des soins urgents. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça vous donne une petite idée de ce que propose. Bon, on est vraiment qu'au début, encore une fois, on est sur une phase quasiment de tutoriel ici. Et ça permet de se donner une idée de l'animation, des graphismes. On a vraiment quelque chose. Hop là, de très plaisant. Mais rien qu'en rejouant quelques minutes avec vous, je prends du plaisir. Hop, hop, hop. Alors on va s'arrêter. Hop là. Allez, je me fais mourir. Allez, ça c'est plutôt sympa aussi, on a des petites scènes à chaque fois, selon les morts. Allez, je vous propose, vous voyez, on repart du début, du coup. Je vous propose de nous rejoindre pour la conclusion. A tout de suite. Alors, en termes de conclusion, que puis-je dire sur ce flashback sur Mega Drive? Bah déjà, qu'on est sur une adaptation extrêmement fidèle du jeu qui était sorti sur Amiga et sur d'autres supports. Hein. Il est sorti sur Atari, il est sorti sur d'autres ordinateurs à l'époque. C'est un jeu qui a connu beaucoup d'adaptations successives. On a une version Super Nintendo, alors là où la partie musique a priori bruitage est moins bonne que sur Mega Drive. Il faudra que je le teste. Je vais peut-être d'ailleurs le finir sur Super Nintendo maintenant pour pouvoir comparer. Il y a la version Mega CD qu'il faut que j'essaie aussi, qui est sortie sur le tard, qui est sortie un peu après, où vous avez là aussi des scènes cinématiques qui ont été retravaillées, des musiques additionnelles, donc ça sera à aller contrôler. N'hésitez pas à m'en parler hein, dans les commentaires, vous savez que je suis friand de cela, si vous connaissez vous ces versions. Moi c'est vraiment la version Amiga et Mega Drive, parce que je l'ai dit, un ami me l'avait prêté. Voilà, c'est vraiment une version qui est très nostalgique pour moi, mais forcément, on est à mes yeux face à un excellent jeu, un jeu qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo avec un grand H, puisque par son animation, par son scénario qui fait écho à de nombreux films qu'on adore quand on a vécu, grandi dans les années 80, 90, on l'a dit, Total Recall, Blade Runner, Running Man, voilà, il y a toute cette ambiance de films futuristes, de science-fiction qu'on a connu dans notre jeunesse, qu'on retrouve dans le lore, dans le scénario de ce flashback. L'animation est ahurissante, elle l'est toujours aujourd'hui. C'est un vrai plaisir visuel, manette en main, que de contrôler Conrad dans ses aventures et ses péripéties. Je ne peux que vous conseiller de jouer à ce jeu, c'est un jeu qui a été quand même largement distribué, qui n'est pas très cher, donc il doit faire partie, à mon sens, de votre collection
rétro gaming et de votre collection Mega Drive. Alors, on peut parler aussi, mais très brièvement, des reboots. Il y a eu un reboot notamment HD sur console Xbox 360 et PS3. Je l'ai fini aussi à l'époque. Je pense que je le referai. Moi, c'est un jeu qui ne m'avait pas déplu du tout. Bon, je ne dirai rien. Par contre, alors il y a eu une édition aussi 25e anniversaire, je crois, il n'y a pas si longtemps, quelques années, sur Switch et console moderne, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox. Et puis, bah, on a le Flashback 2 qui est sorti il y a peut-être quelques mois, me semble-t-il. Hein. C'était cette année. Je ne l'ai pas joué encore. Voilà, j'ai vu que les tests étaient plutôt assez mauvais. Pour autant, j'attends qu'il passe en promotion pour en faire l'acquisition, parce que c'est un jeu que je veux faire, mais que je ne veux pas payer très cher. Voilà, et je vous parlerai, bien sûr, parce que celui-là, je l'ai fini aussi, je l'ai dans ma collection, je vous parlerai de Fade to Black prochainement sur PS1, que j'avais connu à l'époque sur PC et que j'ai fait sur PS1 aussi. Voilà, donc je ne peux que vous en jouer, à jouer justement à ce Flashback sur Mega Drive, qui pour moi est une perle vidéoludique. C'était un plaisir de vous parler de ce jeu aujourd'hui. Je suis désolé sur le rythme des vidéos qui n'est pas constant ces derniers temps. J'ai un peu plus de mal à maintenir le rythme. Bon, malheureusement, la vidéo sur God of War ne vous a pas beaucoup plu. Elle a été très peu vue, 130 vues à peu près. C'est très peu. J'ai été un peu déçu qu'elle n'ait pas été davantage consultée. C'est une vidéo que j'ai pris du plaisir à faire, hein, que je ne renie pas du tout. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires et de votre suivi bienveillant sur la chaîne. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une bonne fin de journée et une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt sur John Underton TV, votre chaîne. À bientôt les amis. Ciao.